Allo tout le monde, voici Champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Shadowverse, si je me trompe pas. Bon, c'est écrit Shadow avec un W puis Verse. Probablement c'est ça. Dans la dernière vidéo, je disais Shadowverse, quelque chose de même. Je décrissais complètement le mot en tant que tel. Je le détruisais, honnêtement. Mais maintenant, je pense que c'est Shadowverse, tout simplement. Avec la série Essai de jeu. Parce que c'est comme ça. Dans la dernière vidéo, nous avons fait un combat. Uniquement un combat tutoriel. Avec, on a vu c'est les personnages. Parce qu'il y a des personnages. Juste pour vous dire, juste avant de parler des personnages, c'est un jeu un peu comme Hearthstone. C'est une autre version d'Hearthstone, ok? Juste pour vous dire. Mais la différence, c'est que... il y a une histoire avec ça. La différence de Hearthstone... que c'est différent. À date, il y a plusieurs personnages dont... on se met plus des noms, des jeux. Losaria. Puis ils veulent aller dans une garde ou je sais pas trop quoi, là. Mais il y a quelque chose qui est arrivé... un monstre, puis on a dû l'affronter. Puis le monstre, personne ne l'avait déjà vu. Alors, c'est ça. Puis maintenant, on va continuer avec sauvetage. On va essayer de sauver son ami. Donc, je ne me souviens plus de son nom. Ariza. C'est ça. Ariza est enlevée par une créature mystérieuse, apparue à l'endroit même où elle s'entraînait avec son ami Losaria. Celle-ci se lance à la poursuite du ravisseur. En résumé, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça en résumé de celui-là. Du dernier combat. Et on commence. Appartenance, dont je n'ai jamais le temps de lire. Effectivement, c'est normal que ce soit en anglais, parce qu'on a juste deux choix de voix. Les textes sont en français, mais la voix est en anglais. Comme ça, il y a juste deux versions, en anglais ou en japonais. Je suis sûr qu'il y en a qui vont lire en japonais. Mais pour que le monde puisse comprendre, si vous attendez... là, j'ai monté le son de mes écouteurs. Ah! On continue. Côté graphisme et animation, c'est quelque chose d'autre. Ils se sont pas accentués sur l'animation, on s'entend. C'est correct. C'est leur méthode de... c'est leur méthode. C'est des jeux de même. C'est bien correct. Je lis Ranger. J'ai pas le temps de lire. Je vous laisse lire. Je mets à pause et lire. Je m'appelle le champion. Votre tour. Oh, j'ai juste 10 points et non 20 points. 20 vies. Le guerrier est une carte de type combattant. Ah, ok. Il attaque les combattants ou le meneur adverse ou subit les attaques des combattants adverses. Et on y va. Il va se mettre en veille. On dirait qu'il a même pas joué. Bon, attaquez le meneur adverse avec votre guerrier. Faut être fou de pas le faire. Source du destin et une carte de type amulette. Ok. Au début de votre tour, cette amulette peut renforcer votre autre combattant. Ok. Contrairement aux combattants,
Une amulette ne peut attaquer ni être attaquée. Ok. Elle peut toutefois activer des effets renforçant vos combattants ou restant la vie de votre restaurant la vie de votre meneur. Tour adverse. Évolution possible. Ouais. C'est à mon tour. Certaines cartes possèdent des habiletés qui s'activent sous certaines conditions. L'habileté fanfare, par exemple, s'active une fois lorsque vous jouez la carte qui la possède. On va le mettre. Ouch! Ça doit faire mal, ça. L'habileté fanfare de l'elfe pisteuse, désolé, a infligé des dégâts au roi des gobelins. J'ai la misère à aller parce que en vrai j'ai la misère à voir, je sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis fatigué. Mais pour la voix, ça paraît pas pantoute. Attaquez maintenant le roi des gobelins. Je suppose ça. Take that. 3 de vie. Et c'est mon tour est terminé. Tour adverse. 3 tours avant une évolution. Je sais ce que ça veut dire. Bon. C'est à mon tour. Wow. Les sorts sont des cartes qui activent leur habileté lorsqu'elles sont jouées. Elles sont ensuite défaussées. Ok. Ce sort inflige des dégâts à un adversaire, puis fait passer dans la main une fée. Ok. Wow! Justice Sylvestre a détruit l'homme lézard. Faites maintenant évoluer votre elfe pisteuse et attaquer le meneur adverse. Il est aussi possible de faire évoluer les combattants de deux façons. L'une d'elles consiste à faire glisser l'orbe jaune. Ok, cette affaire-là, en gros. Au combat. Je pense qu'on peut l'utiliser que deux fois. Ce que je comprends. Puis on le tue d'un coup. Très puissant. Et c'est déjà terminé. Mon dieu. Défausse. Ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de lire. Résolution. On va faire un dernier combat. Bien évidemment. Le Zarya, bien, décidé à sauver son ami Arisa, prisonnière de la mystérieuse critique, provoque celle-ci en duel. J'ai la misère à aller aujourd'hui, c'est pas le bon sens. Sachez que c'est la deuxième vidéo, Tina, brûle gobelin. Sachez que c'est la deuxième vidéo d'affilée. J'ai tout de suite voulu faire une nouvelle vidéo. Tout de suite après. Bon. Vous pouvez repiocher n'importe laquelle ou aucune des premières cartes de la main. Les cartes consommant beaucoup de PP ne peuvent pas être joués dans les premiers tours, mais repiocher permet de les échanger avec des cartes de moins coût. Inutile de faire ça. Repiocher ces cartes avec OK.
Ok. Ça va avec comme avec Hearthstone les mana, mais c'est eux autres, c'est une autre affaire. Encore le même bibitte. Le deuxième joueur pioche deux cartes au premier tour. Fin du tutoriel des batailles. Ce tutoriel est terminé. C'est à présent de votre propre force que vous devrez mettre un terme à ces batailles. Fin du tour. Je suis bien équipé là. I act at my heart's command. Là c'est à moi. Au moins il me donne des suggestions. Bon, on va aller avec le guerrier. Qui va nous. Dont lui va nous orienter. Ok. Youch. Bon, tout ce qu'est-ce qu'on a la possibilité. Oh, intéressant. Ça m'a permis de mettre une autre carte. C'est bien. Fais ça. Il n'y aura pas le choix d'attaquer un de mes deux, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en ai un autre. Puis je vais pouvoir attaquer par la suite. Malgré que ça qui est un avantage en ce moment. C'est pas grave. Parce que je me doutais de cela. Je vais mettre celui-là et celui-là. J'ai pas le choix d'attendre, malheureusement, puis les autres vont me détruire. Je suis déjà foutu. Je sens que je suis foutu. Je suis déjà. Ah, ça m'a bien, mon affaire. Je suis à l'étape de survie. Bon, 1, 2, 3, 1, 2. 5. Je vais aller avec avec celui-là parce que vu que il a quand même assez de vie, il va survivre à son attaque à lui. Vu que les autres vont être en attente. 1, 2, 3, 4. Comme ça, j'aurai peut-être une chance. Ouch! Ça, c'était pas prévu. Ah, yeah! Fin de tour. Parfait. J'ai pu survivre un peu. Si je fais ceci... Voilà. Ça, ça doit faire mal. Et pendant ce temps-là, moi, je peux... Là, j'en ai 7. 4, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6. Je peux mettre 2 cartes au maximum. Je peux mettre lui. 4. 1 forêt. Ouais. Bon, je vais mettre celui-là. Là, je recommence à... Pas je recommence, plutôt je commence à prendre le dessus sur l'ennemi. Comme qu'on peut voir. Youch. Là, il va être en attente, c'est correct. Ok.
Ouch. Ouch. Ça fait mal. Côté vie. Attends, mais j'en ai 8. 3, 6, 7, 8. On va aller stratégiquement. Et en finir avec lui. Yes! Puis là, stratégiquement, c'est les 3 cartes, plus 4 cartes, plus qu'on est sûr au moins d'être correct. Récupérez vos récompenses pour avoir terminé ce tutoriel depuis les présentations. J'ai eu peur au début, mais ça s'est bien passé, honnêtement. Combattant. On l'a vaincu. Yeah! Arisa, tu n'es pas blessée? Non, je suis bien. Thanks. Non, ça va. Merci. Ça me rassure de te voir sain et sauf. Mais que peuvent bien être ces créatures? Encore? There's another one. J'ai deviné qu'est-ce qu'elle allait dire. Arisa, be careful! Lasaria! Lasaria, wait! Where are they taking you? Lasaria, où ont-ils bien pu aller? Oh, what am I gonna do? Lasaria, que faire? Arisa, ressaisis-toi. Tu dois aider Lasaria. Hold on, Lasaria. J'arrive, Lasaria. Une minute. Un rupie fois 20. Ça donne 20 rupies. Vos récompenses sont récupérées automatiquement. C'est bien. Ça, c'est chaque fois que je me connecte, en gros. Vous savez, les jeux, maintenant, ils veulent qu'on se connecte. Mato Sakura. Ah, ouais. Mato Sakura, une fois. Vos récompenses sont récupérées automatiquement. Oh. Sakura. Il est possible repiocher. Il est possible de repiocher chacune des 3, 4, et 3, blablabla. Bienvenue à Shadowverse. Les récompenses obtenues peuvent être récupérées dans vos présents. Nous vous conseillons de débuter par le jeu solo, lequel permet de suivre l'histoire de Shadow et de participer à des matchs contre l'IA. Battez vos adversaires et avant achevez les scénarios proposés pour obtenir des cartes exclusives. Sélectionnez d'abord jeu solo. Mais malheureusement, c'est déjà terminé. J'aime bien ce jeu, honnêtement. C'est sûr que c'est un peu comme Hearthstone, mais au moins, qu'est-ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est qu'il y a une histoire. C'est ça que j'aime bien quand même. Avoir une histoire. Hearthstone, il y a peut-être une. Je sais pas si c'est une histoire, honnêtement. Mais c'est différent. C'est différent. J'aime mieux ce jeu-là. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue cette série. Ben, plutôt que je le mette en série. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter. Ou allez visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Puis encore là, si vous aimez ce jeu puis que vous voulez que je continue ce jeu, dites-moi-le en commentaire et je serai ravi de continuer cette série. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puis on va essayer un nouveau jeu.
pour la nouvelle année, quand même. Ça passe vite. Très vite. On est déjà en décembre, là, c'est déjà la nouvelle année qui arrive. Là. Alors pour ça, merci à tous.